Ça va bien, à tous les jours. Oh, on m'excuse, j'ai un petit accent, c'est plus de la vie du bas du fleuve. OK. Oui, et puis je suis content de vous parler parce que, en fait, un chef qui produit, tu as quelque chose pour, comment tu dirais bien, attiser la flamme de ma partenaire. OK. Vous parlez de la flamme de la ben, quelque chose pour y réguler la glabole. Ben, dans le sens, t'as-tu des petites crèmes excitantes là, qui font en sorte que je pourrais lui. Oui, j'ai des crèmes excitantes, on a des aphrodisiaques en comprimé aussi, là, des produits qui sont naturels. OK, des aphrodisiaques en comprimé, avec ça, je pourrais y faire lever la trupette. Peut-être. Mais toi, est-ce que tu me suggères, c'est-tu efficace pour y stimuler la glamelle? Sûrement. Je ne sais pas où la glamelle, tout ça doit. Ben, c'est bien dur à dire, hein. Les gars, ils ne trouvent pas ça facilement, la glamelle. Mais dans le sens que nos corps forment une partie de symbiose, là, puis qu'on se rémousse, c'est le saumon qui fait toute la coquille dans le fond d'une chaîne. Oui, on est tous pas ici. OK. Ben, d'abord, toi, qu'est-ce que tu me conseilles quand un gars est plus capable de se pointer des piglottes, de se faire rimer la bigasse? Ben, regarde, y'a quoi de ça plus simple? Nous autres, ça fait 40 ans qu'on est en couple, moi et ma douce. OK. On a recoupé, comme tu dirais, le brûleur les trois premières années, mais là, c'est tranquille. OK. Les trois premières années, on a recoupé le brûleur, mais là, le train mendu, la transmission quand tu arrives à la gare. OK. À Crépu, c'est ça que je veux dire. OK. Je me sens comme un Pontiac Bonneville. Là, et j'ai besoin d'une petite poussée dans le derrière pour se tenter ma roumée. Mais moi, ce que je conseillerais, c'est de passer le voir en boutique. Bon, ben, je ne veux pas me déplacer pour rien. T'as-tu quelque chose pour taquiner le rondet de vidéo? Sûrement. T'as sûrement ça parce que la bonne femme, elle commence à regarder ailleurs. C'est ça qui m'inquiète. Ben, je vous dirais qu'il y a tellement manque qu'on dirait un raton laveur qui se lève le contrôle service à l'aide d'un sac de vidange aussi. Bon, ben, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 5h30. 5h30, bon, ben, moi, je passe ça vite, je suis en train de vider un renard avec des pics à fond de tout, mais quoi, toi, tantôt. Bonne journée. Au revoir.